Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty World War 2 sur la nouvelle map The Darkest Shore. Donc c'est le meilleur glitch qu'il puisse avoir sur cette map de ce que je connais. Donc je vous en avais déjà présenté un de meilleurs glitch, mais je l'ai testé par après et j'ai vu qu'à vers la manche 30, même vers la manche 50, les zombies ne spawnent quasi plus. C'est pas vraiment un bon spot. Donc j'ai carrément changé la miniature et changé le titre. Donc là, ce sera le meilleur glitch pour le moment sur The Darkest Shore. Vous pouvez voir que je suis bien à la manche 115. Les zombies spawnent toujours autant. Et regardez, le pire de ça, c'est que je les one-shot toujours. Alors comment ça se fait que je les one-shot toujours? Ben tout simplement parce que j'ai la scie à réfendre non améliorée. Donc je ne peux pas tirer de disque avec. Et en fait, je pense qu'elle est complètement glitchée parce que vous voyez bien que je suis à la manche 115 et je one-shot encore les zombies. Donc je pense pas que c'est très normal. Hein. Donc voilà, alors là, je vais arrêter mon Chronus Max. Donc pour ceux qui ont un Chronus Max, je mettrai le script qui active automatiquement votre spécialiste et qui fout des coups de scie en illimité sans rien faire. Donc je mettrai le script à télécharger dans la description. N'hésitez pas à aller le télécharger si ça vous intéresse. Alors, donc là j'arrête le script. Donc qu'est-ce que j'ai besoin? Vous avez besoin de ligne de front, bordée de nouilles, spécialiste et vicieux. Donc je vous dis ça, mais en réalité vous avez besoin de rien parce que le one shot, la disqueuse one shot. Mais bon, c'est toujours mieux d'activer ça parce que je pense que ça ne one shot pas les zombies bats. Il va falloir plusieurs coups pour les zombies bats. Donc si vous mettez bordée de nouilles avec votre spécialiste ligne de front, avec vicieux, ben, je pense que là vous les one shotez plus facilement. Avant de vous présenter ce putain de glitch qui déchire de ouf, je tiens à dire que c'est une exclusivité FR trouvée par la BJTVVNGR. Donc je mettrai leur chaîne en description, n'hésitez surtout pas à aller les soutenir parce que ben, les glitchers exclusivité FR c'est très rare. Donc voilà, une grosse dédicace à eux. S'il vous plaît, allez vous abonner à leur chaîne, ils ont 800 abonnés. Voilà, ça serait super sympa de votre part de les soutenir. Donc voilà, merci à tous ceux qui le feront. Donc ce qui est bien avec ce glitch, c'est que regardez, là je vais tout simplement aller en arrière et ça va me faire respawn dans la map. Donc voilà, je suis même pas obligé de mourir. Donc, je vais juste mettre pause et changer de manette parce que celle-là, elle est cassée. Donc voilà, j'ai changé de manette. Donc première chose à faire, c'est d'avoir Quick Revive ou alors des auto-réanimations ou alors demander à un pote tout simplement qui vous réanime. Donc je vous lance à plusieurs et puis vous demandez à votre pote qui vous réanime. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est aller près du Pack-a-Punch. Comme d'habitude, comme les anciens glitches que je vous ai montré, vous allez devoir vous suicider en dessous d'un petit morceau de bois. Donc voilà, quand vous arrivez au Pack-a-Punch ici, vous allez tout droit en face et vous allez ici sur à côté de la DCA, près du morceau de bois, vous mettez bien en dessous, vous attendez que les zombies vous one-shot, enfin vous tuent. Et regardez, quand je vais être réanimé, ben en fait je vais respawn tout simplement en out of map. Donc c'est faisable en solo et à plusieurs. Donc là il va bien falloir m'écouter et bien me suivre parce que sinon vous pouvez vite fait vous caler. Donc ici vous suivez bien cette barre là, la barre que je suis en train de suivre, celle-là. Voilà. Là je suis bloqué, donc je me décale à droite jusqu'à temps que voir le mur. Je longe le mur, j'essaie de longer bien le mur. Voilà, donc là vous pouvez vous relever. Ici, ben, vous vous relevez, vous sautez sur ce petit mur là, sautez là. Donc là, vous avancez jusqu'au bout, tout simplement. Voilà. Ici, vous continuez. Hop, vous sautez. Là, vous allez sur le tuyau, vous pouvez pas. Ben, vous sautez. Hop, voilà. Après, vous tournez comme ça, vous sautez. Là, vous vous allongez. Comme ça, vous voyez où vous marchez. Donc là, il va falloir aller jusque là. Donc, vous pouvez y aller en courant, mais je vous conseille pas. Continuez à ramper, c'est mieux. Puis après, il va falloir descendre d'un petit étage ici. Vous allez voir, ça va me descendre tout seul. Vous continuez. Donc là, il va falloir se relever. Hop. Voilà, là vous avez vu, ça m'a fait descendre d'un petit étage. Alors ensuite, vous allez aller vers le blanc. Jusqu'à temps que voilà, tout ça apparaît. Donc ici, il y a un petit rectangle noir. Tout simplement, vous laissez votre joueur tomber dessus. Voilà. Et là, vous allez vers les lumières rouges, tout simplement. Et voilà. Donc là, vous êtes dans le glitch et tous les zombies vont pile-up devant vous. Tout simplement. Alors je tiens encore à faire une grosse dédicace parce que c'est une exclusivité FR que je n'ai vue nulle part ailleurs. Donc une grosse dédicace à la BJTVVNGR. Donc je mettrai leur chaîne en description. Franchement, n'hésitez surtout pas à les soutenir. Ils ont 800 abonnés. N'hésitez pas à aller vous abonner, à leur lâcher des petits likes et tout pour cet exclu qui fonctionne vraiment très très bien. Donc voilà, j'espère que ce glitch vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. Ciao. Peace.
yummy, bruh. Yummy, 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 bruh. Yummy, bruh.